Hello, it's me. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6. Je vais vous parler de gagner et perdre dans la série web Danse ta vie. La seule personne avec qui tu veux te battre, tu veux compétitionner, tu veux être meilleur qu'elle, c'est toi. Que tu te sentes bien que t'as gagné ou que t'as perdu, que t'as donné le meilleur de toi-même. Gagner et perdre, c'est la même affaire. Tu vas être fier de toi autant si t'as donné, le meilleur de toi-même. J'ai fini de lire. Je vous dis, scientifiquement, il est prouvé que nous pouvons perdre ou gagner. Pas les deux, pas le milieu. Ah bon? Parce que si là, tu penses, tout ce que tu penses, c'est être concentré, mettre le meilleur de toi-même, c'est sûr que tu vas être fier après. Que tu as réussi un mouvement que tu n'avais jamais réussi à copier. Comme moi, à View Dance Challenge, je suis tombé. À Hit the Floor, je l'ai réussi. À Bref, moi, je suis tombé. J'ai persévéré. Puis finalement, de compé en compé, je me suis améliorée. Puis je devenais le plus. Puis à la fin, ça donnait que j'étais fière de moi. Mais j'avais donné quelque chose qui était gagnant, ben pour moi. Parce que tout ce que tu veux, c'est t'améliorer, être meilleur. Puis être fière de toi. C'est sûr que tu vas vouloir que tes parents, ton prof de danse, soient fiers de toi. C'est la première personne que tu vas dire. Je veux qu'elle soit fière de moi. C'est toi-même. Mais même si t'as perdu et t'as donné le meilleur de toi-même, tu vas être fière. Tout ce qui compte, c'est de s'amuser. C'est pas de ta faute si t'as pas gagné. C'est les juges qui ont choisi une personne qui était peut-être plus avancée que toi, qui travaille plus fort que toi, mais cette personne-là, là, tu veux pas être meilleure qu'elle. Tu veux être meilleur que toi. Ophélie, je veux que tu comprennes que dans une compétition, c'est vraiment important, pas de gagner, mais de participer, de s'amuser, d'être fier de soi. Dans une compétition, la seule chose qui compte, c'est gagner. Un trophée, ça, c'est super. C'est sûr que dans la vie, il va y avoir quelqu'un de meilleur que toi, qui pointe plus ses pieds, qui fait des plus belles expressions que toi. Mais cette personne-là, là, c'est un avantage. Tu vas vouloir être comme elle. Ça va être un modèle pour toi. Puis cette personne-là, là, ça va te donner le goût d'avancer puis d'encore être meilleur. Et ça rentre dans tout. C'est sûr que dans tout, tu ne seras pas le meilleur du monde. Perdre, gagner, c'est aussi important. Perdre que gagner. Parce que ça va t'apprendre que la prochaine fois, ben, t'as le goût d'être meilleur. Tout le monde mérite de gagner si on performe au meilleur de soi-même. Si vous avez aimé la vidéo, que j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine! Peace, guys! Peace, guys.